Coucou YouTube! Oh là là, si seulement vous étiez sur Twitch, je vous fous le seum, vous venez de louper un petit bout de chouchou, vous savez pas ce que c'est, mais vous, je vais vous louper plein de trucs. Ils ont été dingues, ils ont été, voilà. Ils ont été dingues, donc il y a eu pas mal de notifs derrière, on a attendu un petit peu avant de lancer pour vous, parce que sinon vous allez avoir plein de bruit derrière, vous allez pas comprendre. On pense à vous quand même, Team Rediff, on vous kiffe. On se retrouve donc pour la suite, voire la fin, normalement la fin, selon Princessa, de l'épisode 29. Eh ben oui, messieurs, dames! Donc, avant de commencer, vous savez ce qu'il faut qu'on fasse. Un petit résumé. Oui, ça s'impose, ça s'impose, ça s'impose. Donc, attention. Dans les épisodes précédents, c'est la merde, toujours! Alors, les trois quarts du temps, on n'a rien fait. Voilà, on s'est baladé dans la forêt deux fois pour récupérer des fleurs qui ne servaient à rien puisqu'on n'avait pas tout ce qu'il fallait pour les potions. Mais c'est pas grave, on est quand même allé, on a perdu des manas, on était content. On est revenu, on a parlé à nos amis qui n'avaient rien à foutre deux fois aussi. Et là, l'épisode commence vraiment maintenant. Right now! Eh oui, parce qu'avant c'était du remplissage, on a perdu 2000 manas juste pour qu'on perde nos manas. Il n'y avait aucune autre utilité. Mais là, c'est différent. Vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts? Est-ce que je... Ah, Lefta. Meshman. Vous rappelez Meshman? C'est la merde. Ah, c'est la merde. Penisman. Penisman. Il a envoyé un petit mot. Il a dit... Venez, toi, enfin, Tibuchu et Nico, au point de rendez-vous que je vous dis là, et je vous laisse partir si vous me laissez niquer le cristal. Il a dit ça. Mais je te jure, la vie de moi, il a dit ça. Et du coup, Nico, elle a dit... Ouais, ok. Ouais, ça aussi c'est vrai. Non mais non, elle a pas réuni le conseil, elle a pas demandé notre avis. Enfin si, elle a demandé, est-ce que tu veux nous accompagner? Mais tu vois, elle a pas demandé notre avis, genre est-ce qu'on pense que c'est bien ou pas. Elle a juste dit, ouais ok, en vrai si tout le monde peut se sauver, vas-y, je signe, tu vois. Et du coup, bah on va y aller. Voilà, c'est le seul truc qui est vraiment... Je vous jure que la dernière fois, on a fait que du remplissage et que là, genre, elle a reçu la lettre, elle s'est dit, oh mais quelle bonne idée, livrons-lui le cristal, c'est une si bonne idée. Bien sûr qu'il va nous laisser tous partir, il n'a aucune envie belliqueuse envers nous. Pas du tout, c'est totalement sain comme marché, il n'y a aucun piège possible. Du coup, on va y aller, on va se faire poutrer la gueule. On va se faire poutrer la gueule. Voilà, donc on va retrouver Penisman. On est content. Merci Kisali pour ton sub, merci beaucoup. Donc en vrai, il n'y a pas... Ah oui, c'est vrai! C'est un détail, c'est un détail. Donc quand je vous dis à quel point on n'a rien fait la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a été chargé de faire visiter les lieux aux réfugiés, et on a vraiment fait visiter les lieux. Mais genre, à votre droite, voici la fontaine où Jamon et la petite sirène copulent allègrement tous les jours. Faites attention s'il y a des bulles. C'est pas forcément de l'eau gazeuse. À votre gauche, vous avez un saule pleureur. Attention, il y a un petit passage secret en dessous qu'on a oublié d'ailleurs de refermer. Donc peut-être que Penisman va ressurgir par là. Ça ne serait pas surprenant. On a vraiment... Bon, on n'a pas dit ça, mais on a vraiment fait la visite guidée. Et on était en mode, oh, on est doué pour ça. Et voilà. Donc, en fait, c'est la fin du monde, c'est la guerre et tout, mais ils s'en foutent. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf total. Donc voilà. Là, nous sommes avec Miko. D'accord? Et on va partir retrouver Penisman. Pour discuter. Voilà, c'est super. Non, mais ça pue pas la merde du tout. Pas du tout. Je le sens bien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes on fire? Oui, c'est vrai qu'on le retrouve au rocher, Penisman. Oh, on va retrouver Penisman au rocher. On va mourir, je pense aussi. Je pense aussi. On va pas que discuter. Oh, attends, 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 on va pas que discuter, ça mérite un petit... Quand même, quand même. Allons-y, alors là, l'heure est grave, d'accord, mes agneaux, nous sommes prêts? Allons-y. Décidés à affronter notre destin, aussi funeste puisse-t-il être, Nico et moi annonçâmes la nouvelle à l'ensemble du QG. Parce que vous êtes des culs fripés, vous êtes débiles. Quel plan de merde, c'est même pas un plan. C'est genre l'autre qui fait, viens, je te tends un piège, tu viens? Ok. Comme nous, ils sentirent venir le piège à des kilomètres. Sans blague. Mais je voyais dans leur regard une faible lueur d'espoir. La même que celle qui avait éclairé les yeux de la Kitsune quelques heures auparavant. Non mais ils ont des cerveaux de moule aussi, qu'est-ce que je te dis un moment Je compris alors que j'avais pris la bonne décision. Même si nous courions à notre perte, nous devions saisir cette opportunité et garder espoir. Oh, oui, bien sûr. Préparons-nous et allons-y alors. J'ai suivi Miko dans sa chambre, le temps de se préparer, puis minuit est arrivé. Oh, mais c'est rapide. Et cette fois, le ciel était en harmonie avec l'heure. Il faisait nuit noire. Il est temps de se rendre au point de rendez-vous. Le rocher. Ouh là 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 là. C'est peut-être pas pour rien qu'il a choisi ce rocher, hein. J'angoisse à l'idée de revoir Alens après tout ce qui s'est passé. On se rappelle, la couverture, l'essuyage de bouche. Non mais on s'en rappelle quand même. Il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose.
Serais-je capable de retenir la colère que j'éprouve entre lui, envers lui? Est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est du désir? Va-t-il une fois de plus se moquer de nous? Oh, je pense. Même moi. Pourtant, je suis pas une psychopathe, hein. J'évite même de tuer les insectes quand je mange dans la rue, que j'en vois par terre. Moi, je me fous de votre gueule. Alors lui, je pense qu'il va rire. Il va bien se marrer. Hein. Je ne le saurai qu'une fois qu'il sera en face de moi. Eh ben, on y va. Qu'est-ce que je te dise? On y va, hein. Allons nous faire victime, hein. Le rocher! Coucou, le rocher! Nous sommes arrivés sur le lieu de rendez-vous, mais je ne vois pas Lens. Quelle surprise. D'ailleurs, il n'y a personne. La plage est déserte. Ah non, non, non. J'ai dit que je le faisais plus. Attends, je vais vous mettre... Je vous ai pas mis le son des enceintes. Vous devez pas entendre beaucoup. C'est dommage. Je vais vous remettre la cloche, du coup. Ah bah si, que vous en profitiez. Bah quand même. Voilà. On entend mieux, là. Quand même. Bah si, si. Faut en profiter de la cloche. Le dos droit de Brandon, de Crystal et à boire de Ham, c'est tout. Je bois tout de suite. Ce sadisme. Si, si, on entendait bien. Non, pas assez. Au loin, nous entendons l'horloge de Kero sonner 20h. Nous avons attendu un moment, toujours personne. Attends. Ils n'ont pas rendez-vous à minuit? Bah, attends, c'est moi qui suis con ou... Ou ils ont rendez-vous à minuit et ça vient de sonner 20h? Je suis pas seule. Je suis pas la seule à... D'accord. Non, mais ça me rassure. Non, mais elles sont en avance. On sait jamais. Faudrait pas le faire attendre. C'est... Peut-être qu'il viendra par la mer. Miko et moi, nous sommes avancés jusqu'à avoir les pieds dans l'eau, scrutant l'horizon. Mais l'obscurité ne nous permet pas d'y voir grand-chose. Pourquoi c'est ça d'avoir les pieds dans l'eau, sans déconner? Tu crois que sur la berge, ça change quelque chose? Entra? J'ai sorti mon arme et me suis mise entre Miko et la sirène. Ah oui, bien sûr, parce qu'on va bien le protéger. Merci beaucoup, Alaskanou. Oh non, tu n'es pas la seule. Merci, Alaskanou, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis l'émissaire de Lens. Et alors, qu'est-ce que tu me proposes? D'un coup, Entra s'est jeté sur Miko et a enroulé sa queue de sirène autour de son cou. So predictable! Je suis restée figée quelques secondes, surprise par cette attaque précipitée. Ah oui, parce qu'elle comptait envoyer un recommandé avant d'attaquer, mais en fait, elle n'a pas eu le temps. C'est con, hein? Et sans réfléchir, je me jetais sur Entra avec un seul objectif en tête. L'empêcher d'étrangler mon ami. Ah bah, vaut mieux. Je ne pouvais pas la laisser se faire tuer, surtout par quelqu'un en qui nous avions jamais dit su confiance. Oui, parce que si c'était un connard, ça passe. Ça passe mieux. La sirène poussa un hurlement lorsque ma lame vient lui lacérer le dos. Un deuxième coup bien placé lui fit lâcher prise et elle entreprit de s'enfuir, ondulant dans l'eau noire. Pourquoi tu lui lacères le dos? Pourquoi tu la plantes pas? Je la suivis, refusant de la laisser s'échapper. Mue par cette force qui m'habitait depuis quelques semaines déjà, ses pouvoirs d'Angel, je réussis à maîtriser Entra avec facilité. Et profitant d'un moment de faiblesse de sa part, je saisis ma dague et la plaquai contre sa gorge. Si je franchis cette limite, il n'y aura pas de retour possible. Ni pour Entra, ni pour moi. Serrant les dents de frustration, je lâchai ma lame et adressai un regard sans équivoque à Entra. Je ne peux pas me résoudre à lui ôter la vie, même si je sais pertinemment qu'elle n'aurait pas hésité une seconde à ma place. Non mais non, alors tu sais quoi là, franchement... Allez, un peu de violon. Oh bah il y a un moment, hein. Oh bah si. 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 Coucou Maline, comment tu vas? Ah mais si, parce que, je veux dire, encore une fois, je suis quelqu'un du genre passivé, comme je vous dis, je ne tue même pas des insectes quand il y a des araignées chez moi, alors que je suis allergique, j'essaie de les sortir avec un sopalin. Pour te dire, je suis une meuf gentille. Clairement, il y a une meuf qui veut me buter avec un couteau, je pense vraiment que j'ai peu d'état d'âme. Vraiment, surtout qu'elle, c'est une traître qui bosse avec notre ennemi. Non, il y a un moment... Non, on la bute, voilà. Je dis pas qu'on se tape une grosse barre et qu'on lui fait une punchline de l'espace, mais on pourrait, mais non, on la bute. Elle a voulu nous tuer à l'instant, c'est de la légitime défense à un moment. Même aux yeux de la loi, elle a un trident, on a un couteau, en vrai ça se vaut, hein, arme blanche. Mais je ne veux pas m'abaisser à son niveau et je préfère faire preuve de clémence. Allez, encore, pour le plaisir. Elle sait quoi? Ah si. Ah si. Ça mérite. Mais j'avoue, elle peut au moins l'assommer.
Ah bah si. Je suis obligée. Mais non, elle va pas l'assommer. Non, parce que là, en fait, ce qu'elle a fait, elle l'a immobilisé, elle lui a foutu un coup de coude, elle l'a écorché, puis après, elle a fait. Tu sais. Qu'est-ce que ça, on bat les couilles, qu'est-ce que c'est? Tu sais, là, ça serait un bon film. L'autre, elle sortirait un flingue, elle lui ferait un one shot dans la gueule. C'est tout ce qu'elle mérite. Franchement, pars maintenant. Et ne reviens jamais. Va rejoindre ton maître et dis-lui qu'après ce qui vient de se passer, jamais nous ne renoncerons à le combattre. J'ai rebroussé le chemin pour rejoindre Miko sur la plage, et soudain, je l'ai vu s'élancer à toute vitesse dans ma direction. Tibouchou! Je me retournais et Vientra fondre sur moi en brandissant son trident. Miko se jeta alors sur elle pour dévier sa trajectoire. Le dos droit. Merci Bulonia. Merci petit Nifleur. Et à boire de Saeko. Tu as raison, je vais boire pour oublier Saeko. Je vais boire. Que faire d'autre? Scar sort de ce corps. Ah oui, non mais... Toutes deux tombèrent à l'eau dans un tourbillon de coups de poing. Le trident flottait à présent un peu plus loin. R.I.P. le trident. Je me précipitais pour m'en saisir dans l'espoir d'arrêter le combat, mais un cri effroyable me vrilla les tympans et je me figeais net. Qui c'est qui est mort? Je tournai la tête pour voir le corps de la sirène ballotté par les vagues. Elle était morte. C'est juste qu'on s'est pas sali les mains, en fait. On s'est juste clairement pas sali les mains. Ça ne servait à rien. Tibouchou, est-ce que ça va? Ça va, je crois. Si tu n'étais pas intervenue, elle m'aurait tuée. Évidemment qu'elle t'aurait tuée, espèce de tête de cul! Forcément qu'elle t'aurait tuée! C'est ton ennemi! Elle a déjà failli te tuer, elle a failli tuer l'autre. Toi, tu la regardes, tu fais ah, « je vais te tuer !» Et tu la laisses partir, tu lui tournes le dos pour retourner sur la plage manger des faritas. Mais qu'est-ce que t'es débile! C'est ton ennemi! Elle bosse avec un psychopathe! T'es vraiment la plus conne des connes! Même un cure-dent, même un coton-tige, c'est plus malin! Et un coton-tige, ça nettoie les caca des oreilles! Franchement, tu es trop conne! Ah, ça fait du bien. Non, au bout d'un moment, sans déconner, ça... Non, mais non, tu peux pas. Genre, franchement, c'est bien d'être pacifiste, mais dire qu'il faut pas être con non plus. C'est pas possible. Oh, ça me tue, cette connerie. Oh, c'est pas vrai. Au secours, j'ai chaud maintenant. J'ai un fou rire. Oh. Ça va. Non mais voilà, fallait que ça sorte. Je... On fait tous boire. ASPL, Yume, Zadilia et Strawberry. T'as raison, je bois. On va oublier. Toujours très calme, le stream du dimanche, parfait pour s'étendre. Ah non mais là... Ah, c'est pas possible quoi. Écoute-moi maintenant. J'admire ta clémence et ton altruisme, mais j'ai un conseil à te donner. Ne tourne jamais le dos à ton ennemi. Mais évidemment! Évidemment! Oh, Saint-Eustache! Pourquoi moi? Saint-Eustache! S'il te plaît! C'est compris. Je l'ai regardé avec inquiétude. Et toi, est-ce que ça va? À ton avis, est-ce que ça va? Non, évidemment que ça va pas! Oh! Non, j'arrive pas à me calmer, j'arrive pas, ça monte, ça m'énerve! Qu'est-ce qu'elle est. Non, on va pas être gros, on va dire. Elle est calme, on est. Tibouchou, je tiendrai le choc, t'en fais pas. Si tu te posais la question, c'est pas la première fois que je suis amenée à tuer quelqu'un, malheureusement. Oh! Mes missions au sein de la garde n'ont pas toujours été faciles. Bref, je me suis contentée de la regarder, je sais pas quoi répondre à ça. C'est normal, tu sais jamais quoi répondre, t'es con! Pardon. Non mais ça me... Retournons au QG pour dire aux autres ce qui s'est passé. Mais qu'allons-nous faire du corps? Bah laisse-le dans l'eau, tu veux faire quoi? Je demanderai aux Purekos de s'en occuper, t'en fais pas. Les Purekos? Mais pourquoi? Tu ne les connais probablement pas tous. Certains sont spécialisés dans ce genre de travail. Ah, des coques morts quoi. Au revoir le rocher. C'est un grand moment, hein. Tout ça pour ça. Donc ça c'était le plan de Miko. Ah bah ça valait le coup. Non mais c'est bien. C'est bien. Je suis très contente. Je suis calme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous n'avons même pas eu le temps d'ouvrir la bouche qu'ils nous ont sauté dessus. Vous êtes pâles comme des mortes toutes les deux. Qu'est-ce que... Nous sommes tombés dans un piège. Entra nous attendait et elle attendait de nous tuer. J'ai dû agir en conséquence. Elle est morte. Les garçons se sont figés sur place, abasourdis par la nouvelle. Tu te rends compte quand même que Penisman, il est même pas venu. C'est-à-dire que
C'est-à-dire que le gars, il nous... il nous prend tellement peu au sérieux qu'il est même pas venu. Il a fait une lettre, il a fait un piège, il a dit de toute façon, elles sont tellement débiles, elles vont y aller, j'ai même pas besoin de bouger mon cul, j'envoie ma domestique. Il nous a même pas pris assez au sérieux pour venir. C'est fou. C'est fou. Vous êtes en vie, c'est tout ce qui compte. Le corps est toujours sur place, je suppose. Oui, pour le moment. J'ai demandé à Si de s'en charger. Ils en font des mystères. Ah, S, pardon. Ah, S ou Si ? S. Ils en font des mystères. Pourquoi appeler ce pour-écho par une initiale ? Alors demande-lui de l'envoyer à Lens. Quoi ? Le cadavre d'Entra sera un message fort. Connaissant mon frère, je sais que voir que son plan pathétique échouer le déstabilisera. T'as pas peur que ça attise encore plus sa colère ? Oups, c'est un peu de la provoque de merde, non ? Gribouille ! Gribouille, merci ! Gribouille qui offre 10 subs ! Mais t'es dingue ! Merci énormément ! C'est trop gentil ! Oh, on va avoir dit oh yeah, hein. Ah bah là, merci ! Mais oui, du coup, je suis pas sûre que le plan soit... Ça fait un peu provoque, non ? Alors là, plein de new subs, là. Hein. Mais où est Penisman ? Bah, il se fait les ongles, je sais pas. Justement, mon frère est quelqu'un d'extrêmement calculateur et la colère est son point faible. S'il se laisse diriger par la rage, alors il pourra commettre des erreurs. Ou alors il va juste tout exploser. Merci encore, hein, ma gribouille. Hein. Tu vois, tu contrebalances toute cette rage. Et ces erreurs pourraient nous conduire à la victoire. Tu as raison, Valkyon, nous devons jouer sur ses faiblesses. Attendez, je suis la seule à trouver cette méthode abjecte. Si on fait ça, on s'abaisse au niveau de Lens. Il aurait bien été capable de faire la même chose si on lui avait envoyé un émissaire. Je comprends ton point de vue, Tibouchou, mais la décision est prise. Entra n'était pas une émissaire, mais une meurtrière. Et si elle peut nous être utile dans cette bataille, il faut saisir cette chance. Envoyons ce message à Lens. J'ai serré les dents. Ils n'ont pas tort, mais c'est difficile à accepter. Oh, mais tais-toi. Après, là, ça, moi j'aurais vu ça sous un autre jour. C'est-à-dire que... Est-ce que vraiment c'est pertinent de jouer son jeu parce qu'on est moins bon que lui là-dedans? Nous, on est bon dans un autre domaine. Est-ce que c'est vraiment efficace? Est-ce que c'est vraiment malin de faire ça? Je ne suis pas sûre. Par contre, le côté c'est méchant, la meuf a voulu nous buter quand même. Et le mec a voulu tous nous buter, il a buté des gens, il a buté le cristal. Au bout d'un moment, ok, c'est méchant, mais hein, bon, j'ai envie de dire, tu vois, faut peut-être pas exagérer quoi. Merci Eden! Merci beaucoup Eden qui offre 2 subs! Non mais, mais qu'est-ce que vous avez bouffé aujourd'hui? C'est comme, non mais c'est comme moi. En fait, c'est la colère qui vous rend dingue. Merci, merci beaucoup! C'est trop gentil! Merci énormément! Si vous faites le petit chien. Ouais, non, ouais. Bien, je m'en charge d'en informer S. Tibouchou, nous devrions aller nous reposer. D'abord, vous venez avec moi à l'infirmerie et que ça saute. Je viens également, j'ai quelques questions à vous poser. Ezarel et Nevra nous ont suivis également. Allez, tous à l'infirmerie. Aussitôt arrivés à l'infirmerie, Eolei nous a examinés, Miko et moi, afin de s'assurer que nous n'avions pas été blessés lors de l'attaque d'Entra. Vous n'avez pratiquement rien, je suis soulagée. Wongwa, tu peux poser tes questions pendant que je m'occupe de ces quelques bandages. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Comment en êtes-vous venu à la tuer? Vous êtes parti un moment, les négociations ont-elles dégénéré? Il n'y a eu aucune négociation. Quoi? Comment ça? Non mais Nevra, mais évidemment qu'il n'y a pas eu de négociation. Évidemment. Nous avons attendu sur la plage un moment avec Tibouchou. Lorsqu'Entra est enfin arrivée, elle s'est jetée sur moi presque immédiatement. Tibouchou a réussi à prendre le dessus sur elle et... Elle a choisi de l'épargner. Seulement Entra en a profité pour essayer de la tuer et j'ai dû m'en occuper. Elles ont échangé un long regard. J'ai l'impression qu'elles n'ont pas besoin de parler pour se comprendre. C'est trop con. On l'aurait assommé. Genre, on l'avait à merci. On l'aurait assommé. On l'aurait emmené en prison. On lui aurait enlevé son arme. On aurait au moins eu une otage. Et on aurait peut-être pu la faire parler. C'est vraiment trop bête. Je vois. C'était regrettable, mais nécessaire. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Vous avez besoin de repos. J'ai pris la main de Nevra dans la mienne. Après cette journée épuisante, sa chaleur m'est d'un grand réconfort. Allez, au dodo. J'espère vraiment qu'on va dormir. Ninon m'a dit qu'il y aurait du cucu, donc j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Un lit, enfin. Ça va, meuf, t'as des 2 heures à la plage. Miko n'en fait vraiment qu'à sa tête. Je lui avais dit de pas y aller, de ne pas t'inclure dans ce plan foireux. Tu parles de l'armistice? Mais oui, bien sûr. Elle m'a pas écouté et voilà où nous en sommes. T'as failli te faire tuer. Mais ce n'est pas arrivé. Miko a su réagir. Je sais, je déteste juste quand tu cours des risques pour rien. Ça me tue. Ça, c'est bien. Là
Là, c'est bien. C'est cool. C'est cool. On a un vrai dialogue de plus de 3 lignes. J'ai glissé mes bras autour de sa taille et je l'ai embrassé. Nous sommes allés nous coucher et nous n'avons pas tardé à nous endormir. Oh, ma mauvaise langue, y a pas de cucu. Durant la nuit, j'ai senti Nevra s'agiter dans le lit. Je l'ai réveillée. Oh, qu'est-ce que j'ai été fait. Oh, non, mais j'ai été crédule. Là, j'ai cru. J'ai cru qu'il baiserait pas. Mais... Tu as faim? Ah, parce qu'il s'agite, j'avais pas... Un peu. Sans réfléchir, j'ai tendu mon poignet et j'ai senti ses crocs se planter dans ma chair. La douleur, cette douleur exquise. Je crois que je m'en lasserai jamais. Bon, on va le faire quand même une fois. Allez, allez, c'est pas mérité, hein, mais bon, ouais, on va le faire une fois. J'ai envie qu'elle ne me lâche plus, qu'elle reste en moi pour toujours. Et on parle toujours de la douleur. Ha! Blagoune. Car je sais que dès qu'elle s'en va, c'est un plaisir immense qui m'envahit. C'est à ce moment que mon esprit s'égare. Nevra, je n'ai jamais laissé un homme être aussi proche de moi. En as-tu conscience? Oui, je pense. Je pense qu'il... Arrives-tu à lire le fond de mon âme lorsque tu bois mon sang? Et tandis qu'il continuait de boire mon sang, je me laissais aller à l'extase. Allez, ça faisait longtemps. Je poussais par instants des petits gémissements qui invitaient Nevra à continuer de se nourrir. Alors, on va faire la voix de cul, hein? Enfin, de cul, non, justement, on va faire la voix débile, parce que vous savez que je n'aime pas lire des trucs de cul avec une voix normale, on sait jamais ce qui peut se passer. On va partir sur une voix débile, d'accord? Vous êtes prêts pour la voix débile du cucu? Ah non, c'est peut-être fini, attends. Lorsqu'il fut enfin repu, il se détacha de mon poignet et m'embrassa. Il avait encore le goût de mon sang sur les lèvres. Ça doit être bon, sympathique. J'aurais voulu que ce baiser dure toujours, mais j'étais épuisée et basculais très vite dans un sommeil. Non, ça va, il baisse pas. Ça va, tout va bien, il dort. À mon réveil, il faisait toujours nuit et Nevra était déjà partie. Oh, Solon, my friend. Non, ça va, y a pas de cucu. Ça va. Désolée d'être partie sans te dire au revoir. Tu avais l'air tellement sereine que j'ai préféré te laisser dormir. Je dois aussi t'avouer que tu étais sacrément sexy dans ta petite culotte du soir. Difficile de résister à l'envie de te réveiller. Je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. C'est surréaliste. C'est surréaliste. Quand tu sais que tu vas mourir, tu fais pas des petits mots comme ça, non? Enfin, je sais pas. J'aurais tellement aimé qu'il soit là ce matin. Bah tiens. Prends un god, meuf, sans déconner. Un vibro, je sais pas, ton... Ta main, c'est bien aussi, mais calme-toi seule. La cloche indiquant qu'il était 8h m'a sorti de mes pensées. Ah, la petite cloche. Ah. Déjà, si tu dois vivre l'arme, tu es toujours géniale. Reste comme tu es parfaite. Gros bisous depuis le Berry. Bisous, bisous. Bisous, bisous, bisous. Merci Claire, merci beaucoup. T'as eu ta voix par-dessus la cloche. Comment le vis-tu? Comment le vis-tu? Il est temps de demander à Kero ma mission d'aujourd'hui. Ah non, hein, pas les pâquerettes, hein. Ah non, on va pas me faire cueillir des trucs encore, c'est fini ces conneries! D'un coup, quelque chose me prit au ventre. Une angoisse sourde et tenace qui me faisait mal au ventre. J'en ai le souffle coupé. Il y a deux fois ventre en deux phrases. C'est quand même vraiment bien sur cette zone, hein. L'espace d'un instant, je me sentis déboussolée, vidée de toute ma confiance. Mais pourquoi? Peut-être qu'elle a ses ch'tups. Qu'est-ce qui me mettait autant en émoi? Appréhendais-je tant ce qui allait se passer? Mais vous allez mourir dans 2 jours! Il serait peut-être temps que t'aies un petit coup de déprime! Ou était-ce une énième alerte de mon instinct? Je n'arrivais pas à le définir. Alors au lieu de rester sur cette sensation, je décidais de me reprendre et d'avancer. Après tout, je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce genre d'impression. J'ai beaucoup trop de choses à gérer en ce moment. Comme quoi? Tu vas demander ta mission à Kero, t'as rien à gérer là, t'as rien. Rien du tout. D'accord. Dada? Dada? Il est où, Dada? Peut-être à la bibliothèque. Oh, c'est pas vrai. Mais il y a la cloche, hein. Mais la cloche. Bonjour, il est 8h. Bonjour, Tibouchou. Je suppose que tu viens chercher ta mission du jour. C'est exact. Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Tout va bien, tout va bien. C'est... Eh bien, nous avons fait quelques études de terrain concernant quelque chose qui va nous être indispensable durant notre siège. Laisse-moi deviner. Alors, c'est moi d'ailleurs où la cloche, elle a déjà sonné juste avant, du coup. Parce qu'elle a sonné 2 fois, en fait. Bah, c'est ça. Zadia, on est d'accord, elle a sonné 2 fois la cloche. Oh, les deux, en vrai, hein. C'est quoi? Préparation de nos munitions ou de l'eau? Je dirais les munitions, quand même. Double cloche, c'est ça, Aline. La préparation de nos munitions? Oh, je pense que sur ce point, nous sommes suffisamment équipés. Il s'agirait plutôt de recenser l'ensemble des points d'eau trouvables autour et à l'intérieur du QG.
Mais vous n'y pensez que maintenant ? C'est elle qui le dit, hein. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Ils ne savent pas où il y a des lacs autour de leur QG ? Voilà. Bien sûr que non, nous y travaillons depuis le premier jour. Cependant, c'est une tâche extrêmement longue, tant il y a de paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce qu'il y a comme paramètres à prendre en compte ? S'il y a une flaque de plus d'un mètre carré avec de l'eau potable, c'est un point d'eau ! Qu'est-ce que c'est que c'est quoi connerie encore ? Je vois, avec qui dois-je faire équipe ? Wangwa et Willeine, elles t'expliqueront tout ce qu'il y a à faire. Je t'invite à les rejoindre à l'infirmerie dans un premier temps. Ça marche, merci Kero. Non mais c'est quoi cette mission de merde ? Mais sans déconner ! Bonjour Willeine, bonjour Wangwa. Tibuchu, qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens pas bien ? Si, tout va bien, c'est juste que je suis votre partenaire pour la journée. En réalité, je suis en consultation avec Ewilene, Tibuchu. Nous nous occuperons des points d'eau juste après. Oh, je suis désolée, je pensais pas déranger. T'excuses pas, tu pouvais pas savoir. Attends-nous dehors si tu veux bien, nous n'en avons plus que pour quelques minutes. Alors là, un petit. Ah si, un petit. Bien sûr, aucun problème, prenez votre temps. J'ai attendu quelques instants avant que les filles ne me rejoignent et me disent en quoi consistait la mission précisément. Nous allons recenser les différents points d'eau qui se trouvent dans et à l'extérieur du QG et y faire des prélèvements. En fonction des résultats des prélèvements, nous devrons ensuite réfléchir à un moyen de protéger ces points d'eau, ce qui permettra de nous approvisionner tout le temps du siège. Ne perdons pas plus de temps, commençons par les points d'eau internes. Je ne sais plus là, je suis sidérée. Du coup, il y a de la fontaine ici, là. Il y a beaucoup d'eau par ici, ce serait idéal pour nous, non ? Merci Harumi Redo ! Compte prime connecté, je vais pouvoir suivre les frères Scotto. Les frères Scotto ? Les frères Scott, c'est, on le regarde sur, avec Amazon Prime le lundi à 21h sur Twitch. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Et oui, tu vas pouvoir Harumi Redo, merci beaucoup ! Pas vraiment, c'est une eau qui ne se renouvelle pas. Je pense que nous en manquerions très vite. Oui, c'est sûr. Éliminons donc cette option. Et je pense que ce n'est pas la peine d'aller au jardin de la musique. Exact. Je prends quand même un prélèvement au cas où. Où devons-nous aller maintenant ? À la cave, à mon avis. À la cave ? C'est pas l'eau de la mer ? À la cave ? D'ailleurs, faut peut-être leur faire quelque chose d'ailleurs pour empêcher les gens de passer par là. Ça peut être pas mal. Non, pas la forge, la cave. Oh, Marilyn, mes manas, oh, déconne pas. Ça part assez vite comme ça, hein. L'eau d'ici ne m'a pas l'air extrêmement potable. Ah bon ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Sa couleur. Oh, ça veut rien dire. L'eau de la cave a cette couleur à cause des minéraux qu'elle contient. Il faut que nous les examinions. Et l'eau de la prison, on ne prélève rien là-bas ? À mon avis, nous devrions éviter les sources d'eau extérieures. Lens pourrait les empoisonner. Oh, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Sans blague. Bon, nous avons fait le tour des points d'eau internes du QG. C'était rapide, il était nécessaire que nous soyons toutes les trois. Merci. Non, mais tu n'avais rien à faire et j'avais une folle envie de passer du temps avec toi. Petite Maline. Bah oui, on a le temps de faire des petites blagounes parce qu'on s'amuse et qu'on s'aime bien. Bah oui, c'est rigolo. Enfin, on ne serait pas trop pour étudier les analyses. Allons au laboratoire d'alchimie pour ça. Bon, comme je le présentais, les résultats des analyses excluent la cave. L'eau n'est pas potable. Avec tous les minéraux et algues qui s'y trouvent actuellement, non. Le processus de purification serait trop compliqué à mettre en place. De plus, comme la plage, c'est une eau qui vient directement de la mer. Il serait très facile pour Lens de l'empoisonner. Ah oui. Ah bah oui. C'est sûr. Il ne nous reste que l'eau du parc ou de la fontaine. Oui, malheureusement, c'est une eau en circuit fermé. Nous épuiserons très vite les ressources qui s'y trouvent. Et il n'y a pas d'autres points d'eau ? Comment faites-vous pour vous alimenter en eau à l'heure actuelle ? Nous récupérons essentiellement l'eau de pluie que nous filtrons par la suite. Si Lens vient à lancer un sort de sécheresse, c'est fini. C'est bien d'y penser maintenant. C'est... Nous devrions demander une aide extérieure, non ? Tu penses à quelqu'un en particulier ? Eh bien, j'imagine qu'en tant que sirène, Kolaya et Alagea pourraient nous aider. Ça fait pleuvoir les sirènes maintenant ? J'y pensais, justement. Elles sont très occupées en ce moment. Oh oui, bah doivent jouer aux dames ! Je ne voulais pas les déranger avant d'avoir exploré toutes les pistes possibles. C'est ce qu'on vient de faire. Oui, bon, je vais les chercher. Après quelques heures de travail intensif de la part d'Alagea et Kolaya, nous avons enfin trouvé un point d'eau sûr et accessible.
Il s'agit de celui qui alimente la cave. Si nous prenons l'eau plus en amont, elle ne sera pas transformée par tous les minéraux et nous pourrons la prendre pour survivre. D'accord. Quelle capacité d'eau ? Beaucoup. Je sens une grande poche qui gît sous nos pieds. De quoi tenir 3 ou 4 mois. Ah, elle a remonté la flotte en fait. Ah oui, non mais d'accord, c'est... Elle parle d'une nappe phréatique. J'espère que nous n'épuiserons pas cette ressource avant la fin de ce siège. Pensez-vous pouvoir récupérer un peu de cette eau pour des analyses ? Oui, il faut juste qu'on se ferait un passage à la cave. Ce sera pas difficile. Oui, non mais comment on... Attends. Je dois être con. Comment... Alors... L'eau dans la cave, elle est pas potable. Donc il faut nager sous l'eau pour aller plus loin dans l'eau pour récupérer l'eau potable qui vient de plus loin. D'accord. Donc il faut que ce soit l'une des deux. Ça veut dire que l'approvisionnement en eau de tout le QG dépend de 2 fillettes. J'espère qu'elles ont des bons bras. Non, parce que va demander à Jean de Florette, hein, mais quand il allait à la source une fois par semaine avec son mulet, il galérait déjà pour nourrir sa famille, sa femme et sa fille, tu vois. Là, ils ont un QG entier avec 4 bras. Que... Comment tu veux qu'elle... Enfin... Je me dépasse. Ils ont pas dit juste avant que l'eau de la cave provenait de la mer. Il doit y avoir l'eau de la mer et le ruisseau qui se croisent. Je ne sais pas. Mettez un putain de tuyau. Oui, c'est pas une mauvaise idée aussi, ça. Mais ouais, mais ce tuyau doit passer sous l'eau. Je... Chut, Thibaut, c'est magique, Thibaut, voyons. Oui, c'est vrai, c'est magique. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Super. Putain. Quelle bonne nouvelle, merci pour votre aide. C'est dommage d'ailleurs que je n'y ai pas pensé avant, parce que ça leur aurait fait de l'eau. Au lieu d'attendre la pluie et se faire chier à la filtrer, elles auraient eu de l'eau gratos au QG tout le temps, en fait. Si c'était si facile. Je... On l'entend beaucoup, hein. On n'a jamais autant entendu une cloche. Jamais. Jamais. Déjà 20h? Et midi et 16h? J'ai pas vu la journée passer. Bah alors comment tu sais qu'il est 20h? Ça se trouve il est midi ou 16h? Comment elle peut savoir? Bon, attendons les analyses de demain pour être sûr que cette eau est potable. En attendant, allons manger un peu, je meurs de faim. Putain, quelle journée, waouh! Heureusement c'est la fin du monde en 2 jours, hein. Qu'est-ce qui se serait passé sinon? Tu avais raison, Eileen. Ça me fait tellement du bien de manger, j'étais également affamée. Tout au long du repas, nous fûmes rejointes par de nombreux membres du QG. Et quand il fut l'heure du dessert, il y avait presque tout le monde. Oh bah oui! On a le temps de se faire une petite crème fouettée, hein? Une petite quiche au poireau, allez! Kero, Eileen, Alagea, Wongwa, Jamon, Kameria, Kolaya, Twilda, Karuto, Nevra, Ezarel, Valkyon, Miko, Karen et même Chrome. Wouhou! On peut faire un Cluedo géant! Oh yeah! Merci Gaïa pour ton savoir-faire! Mon cœur se serra douloureusement. C'était sans doute la dernière fois que nous serions tous réunis. Eh oui, parce qu'après, tout le monde va mourir. Merci beaucoup, Gaïa, c'est trop chou. Oh, et il y a un utilisateur masqué qui a offert... Mais qui est cet utilisateur masqué? On a un Zoro parmi nous. Un Zoro qui offre des subs. Merci beaucoup, Zoro. Un cavalier qui offre des cadeaux anonymes. Merci, c'est trop gentil. Donc oui, bah, du coup, voilà, Zoro pile quand tout le monde va mourir. C'est cool, c'est bien. J'ai envie de pleurer, mais je n'avais pas envie de gâcher ce moment si beau. Alors je ravalais mes larmes et continuais de sourire. Nevra comprit tout de suite que je n'étais pas bien et vint passer son bras autour de mes épaules. Je me levais alors dans le creux de son cou, cherchant un refuge sûr. Oh, c'est mignon. Ça, c'est mignon. C'est parti pour un Uno, pas grave. Mais cet instant spécial, suspendu dans le temps, fut très vite interrompu. Miko, tout le monde, venez voir le ciel dehors. Bon, on va pas venir voir le ciel dedans. Pléonasme. Qu'est-ce qui se passe? Venez, venez! Pardon, oui, ok, on arrive, ça va, détends-toi, pète un coup. On arrive, t'as, s'excite tout de suite, là. Oui? Bah, qu'est-ce qu'il a, le ciel? Oui? Bah, peut-être que j'aille là-bas. Un spectacle saisissant se jouait devant nous. J'étais bouche bée. Oh! Des étoiles par centaines. Non, par milliers filaient à travers le ciel. Super, on a une fin du monde maintenant. J'ai eu peur. Désolée. C'était pas la première fois que je voyais des étoiles filantes depuis que j'étais à Eldaria, mais cette fois-ci, c'était magique. On aurait dit que le ciel nous accordait sa bénédiction pour la bataille à venir et nous encourageait. Ou alors, le ciel vous envoie des météorites sur la gueule parce que vous êtes trop cons pour survivre. Je me mis à pleurer. J'étais touchée au plus profond de moi-même par ce spectacle, par ces encouragements que me donnait le ciel. Allez, allez, un petit violon. Allez, si, bah si. Après la cloche.
Et j'avoue pourquoi la meuf elle nous a hurlé dessus du coup. Genre c'était pas urgent, j'ai cru l'autre il était déjà là moi. C'est beau. Elle avait sorti le QG pour des étoiles filantes, j'avoue. Ce fut à ce moment que je la vis. Parmi les étoiles, sa silhouette reconnaissable entre mille se dessinait. D'un même souffle, la foule s'exclama face à cette vision que je n'étais pas la seule à voir. L'oracle ? Oracle ? Cette silhouette était presque imperceptible dans ce champ d'étoiles, mais nous sentions fortement sa présence. Ce n'était pas comme ses apparitions précédentes, c'était plutôt comme une visite fugace. La promesse, où qu'elle soit, elle veillait sur nous. Oh, amen. Amen, bitches. Ah, c'est beau. Du coup, c'est pour ça que la meuf s'est excitée, en fait. C'est pour ça que la meuf nous a fait venir. L'oracle est dans les étoiles. Tu vois, dans Hercule, la chanson « Une superstar, nanananananana » Bah, à un moment, t'as Marilyn dans les étoiles et t'as Hercule qui passe avec Pégase sous sa robe et elle fait « Wouh !» Bah, c'est pareil, c'est l'oracle. Déjà, « Wouh !» Et contente de l'avoir. Bah, c'est... Je sais pas ce qu'elle fout là-bas, mais l'oracle a fait ça. Et donne, magnifique. La licorne qui surgit, mais c'est trop ça. Ah, c'était n'importe quoi. Cette certitude réchauffa mon cœur et me donna le courage qui jusque-là m'avait manqué. Ah bah ça. J'étais prête à aller la voir, à l'affronter dans cette réalité. Je me suis avancée vers Nico. Je veux y aller. Où ça, dans les étoiles? Tu parles d'aller voir le cristal? Ah, j'ai pas. Oui, je suis prête. Tu es sûre? Oui. Je sens en plus profond de moi que je dois y aller maintenant. Est-ce que tu accepterais de venir avec moi? Bien sûr, mais tu ne préfères pas y aller avec Nevra? À vrai dire, j'aimerais que vous soyez là tous les deux. Je comprends, c'est bien normal. Je suis partie voir Nevra et lui ai demandé de nous accompagner voir le cristal. Bien évidemment, il a accepté et nous avons décidé de nous y rendre sans attendre. Ah bah on va pas traîner, hein. Ça serait quand même dommage. Plan à 3, vous êtes horrible. Mais après c'est moi la dégueulasse! Elle pleurait pas il y a 5 secondes, non, mais elle s'est remise. C'est une femme forte, mais avec des fêlures. C'est rigolo, j'aime bien faire ça. C'est mon expression. Allez, on va voir le cristal. Alors que je m'apprête à entrer dans la salle du cristal, je sens mon ventre se contracter douloureusement. Allez, c'est stup, je vous dis. Plus j'approche du scellé, plus l'appréhension me gagne. J'ai peur de ne pas supporter l'image du cristal brisé. Nevra a serré ma main dans la sienne pour me donner du courage. Il est temps d'affronter ma peur. Il est plus que temps, meuf. Il est vraiment plus que temps. Allez. À peine avais-je monté les escaliers qui menaient à la salle du cristal que je me figeais sur place. Mon sang se glaça immédiatement et mon cœur cessa de battre un instant. Tiboudounette, représente. Merci Gribouille pour tes bites. Tu es la gribouille la plus chaude des gribouilles. Le cristal avait été presque entièrement détruit. Ah oui, il reste un poil de cucu, quoi. Il reste un petit cul. Il ne restait quasiment rien. Il reste un petit cul. Il reste un petit cul cristal. C'est... Seuls quelques fragments tenaient encore en place. D'autres étaient disséminés ça et là sur le sol. Ils ont pas essayé de les recoller. Moi, j'aurais essayé de recoller, je pense. Je regardais Miko d'un air étonné. Pourquoi n'avait-elle pas tenté de fusionner ces différents morceaux? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, j'ai pensé la même chose que Tibouchou. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh ça là. Oh là là. Oh là là. Est-ce que ça veut dire que je deviens aussi... Non, non, mais dites-moi. Ne me préservez pas. Est-ce que ça veut dire que je... Non mais... Hein? Tu comprends que je m'inquiète quand même, hein? C'est pas rassurant, hein? Pas... Merci Soriane, merci beaucoup pour ton sub prolongé. Oh yeah. Non, t'inquiète, tu vas pas être aussi con. Admiration par ce côté de ta patience, Yoda peut se rhabiller. Merci pour ton authenticité et ta magnifique humanité, visage souriant avec cœur. Visage souriant avec cœur. Merci Soriane, t'es trop choute. Merci beaucoup. Il les rejette. J'ai tenté plusieurs fois et rien n'y fait. Et comme tu le vois, certains s'éteignent à mesure que le temps passe. Comme le cristal que vous aviez utilisé lorsque vous avez invoqué l'oracle? C'est ça. Quelle tristesse. Et il n'y a rien à faire contre ça? Je ne sais pas, et s'il y en a un, je ne le connais pas encore. Je vois. Peut-être que le message de l'oracle avait un rapport avec ça? C'est possible. Il faut que je communique de nouveau avec elle. J'ai jeté un dernier regard à Nevra. J'appréhende. Puis j'ai joint les mains pour adresser une prière au reste du cristal et j'ai fermé les yeux. C'est alors que j'ai entendu comme une mélodie siffler dans mes oreilles. Juste à ce moment-là. Merci Lilassi! Eh bien les esprits se fusionnent, exactement. Un rythme doux et entêtant. Je n'avais qu'une envie, suivre ce son.
Il faut trouver une mélodie douce et entêtante. On a une chanson qui reste en tête. C'est la... Oh bah oui, tiens, la cloche. Bon plan. Bien vu, Lynn. C'est bien. C'est bien pour... Alors attends, vous êtes plein à m'avoir fait boire, j'avais pas vu, ça va pas me faire de mal. Death Musica, Chloé Ruby, New MD1, ton pseudo me fait rire à chaque fois. Manon, Tiboudoudou, évidemment. Et La Petite Rebelle et Poissilou qui me fait me tenir droite. Et les dédicaces, je pense pas que je vais les faire ce soir. On verra peut-être à la fin, je verrai. Je vous rendrai vos poucas si je les lis pas maintenant. La musique de It's a Small World à Disney, ah j'avoue. On descend de la montagne à cheval, il y avait quelque chose. Vous avez des magnifiques idées. La musique de Little Nightmare, samedi prochain. Je m'en rappelle pas en plus. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais entourée de lumière. Oh, attends, est-ce que j'ai le A? Je crois pas que j'ai le A. Hein. Oh, ça serait bien, faudrait que je le prenne celui-là. Non, je l'ai pas. Faudrait que je le prenne. J'ai Alléluia. Ça va quand même. Ça va quand même. Ça passe. Ça passe, tu vois. Ça passe pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un? Une voix a résonné dans ma tête, mais elle est tellement faible que je n'arrive pas à comprendre ce qu'elle me dit. Je dois m'en rapprocher. La voix se fait de plus en plus intense à mesure que j'avance à travers ces couloirs de lumière. Cette voix, je me sens hypnotisée par elle. Je sens une forte énergie émaner d'elle, une énergie positive et familière. Je devine facilement qui je vais trouver au bout du chemin. C'est ici, je le sens. C'est le point de convergence des énergies, de cette mélodie si envoûtante. Mais comment lui faire comprendre que je suis là, prête à l'écouter? Je dois me concentrer. Oula, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde. C'est compliqué, hein. Comme à la salle du cristal, j'ai joint mes mains pour adresser une prière à cette énergie, lui sommant d'apparaître devant moi afin qu'elle me délivre le message pour lequel elle m'avait fait venir. Gribouille, mais non, mais Gribouille, mais t'es une ouf. Merci, merci beaucoup. Pff, t'es dingote, merci énormément. Non mais Gribouille, elle s'arrête plus. C'est ouf, merci. Ça tombe pile poil, ça, avec le hoyer en plein milieu. J'ai perçu comme une résistance, une appréhension de sa part. Il faut que je sois plus convaincante. Oh, yeah. Damon est d'accord. Apparais devant moi et délivre-moi ton message. Rien. Il ne se passe à rien. Je dois insister. Peut-être qu'en prononçant son nom, cette énergie daignera se manifester. Après tout, j'ai rien à perdre. Bah, oracle, manifeste-toi, non? Pourquoi Fafnir? Pourquoi Leftan? C'est l'oracle qu'on cherche! On est d'accord? C'est bien l'oracle? On est d'accord? Oui, c'est au cas où. En fait, ils vérifient si on suit. Là, c'est pour vérifier. Est-ce qu'ils suivent vraiment encore l'histoire? Franchement, ils sont courageux! Oracle, manifeste-toi! Devant moi, fondant la lumière aveuglante, je vis l'oracle dressé au milieu de la salle de cristal. Elle était magnifique, rayonnante et vivante. À nouveau, elle se dirigea vers le cristal et je revis l'image de Leftan entrée dans sa lumière. Je regardais sur ma droite où gisaient toujours des ailes immenses et ensanglantées. Mais cette fois, je n'y prêtais guère attention et m'avançais avec assurance dans la lumière du cristal. Il m'appelait. Quelque chose me murmurait de le rejoindre. Il m'appelle, mon précieux. Lorsque je rouvris les yeux, j'étais à nouveau aux côtés de Miko qui me regardait les yeux ronds. Qu'est-ce qui s'est passé? Tibouchou, qu'est-ce que... Je devrais me taire. Miko s'est murée dans le silence. Elle est fortement troublée par ce qu'elle a vu. Et j'ai pas l'impression que forcer le dialogue soit très intelligent. J'ai regardé Nevra, mais lui non plus ne semble pas comprendre ce qui met Miko dans cet état. Qu'est-ce que t'as vu, Tibouchou? L'oracle. Moi aussi le cristal. Je dois faire quelque chose pour qu'il soit complet à nouveau, mais j'arrive pas à comprendre quoi. Tu le comprendras en temps voulu. Miko est bien mystérieuse tout d'un coup. Elle qui voulait absolument que je comprenne le message de l'oracle, elle est devenue très évasive. Ah, ça pue, ça pue, ça pue, si elle veut pas nous le dire, ça pue vraiment. Qu'est-ce qui lui arrive à la fin? Bon, ne pense plus à tout ça et va te reposer. Nous aurons une longue journée demain. Elle a raison, je ferai mieux de me reposer. Allez, au dodo. Au dodo. À peine sommes-nous arrivés dans la chambre que Nevra s'est effondrée une fois de plus. Sa soif de sang est de plus en plus préoccupante. Comme toujours, je l'ai forcé à boire. Il est tellement désolé quand ça arrive. Et au bout d'un moment, il va peut-être falloir qu'on se tape une transfusion, sinon... Je te donnerai autant de sang que possible, je te l'ai déjà dit. Cependant, je m'inquiète d'une chose.
Seras-tu apte à combattre demain ? Ah, c'est demain ? C'est demain ? C'est demain et nous, on a enquêté pour trouver où était le point d'eau. C'est super. Je risque d'avoir besoin d'une dose juste avant, mais oui. L'avenir du monde dépend de notre combat. Je ne peux pas rester en arrière. Je sais, mais je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Si tu es à mes côtés, ça ira. Nevra s'est penchée vers moi et m'a embrassée. Je sens encore le goût du sang sur ses lèvres. Ender, ils sont si calmes. Ah oui, ah bah c'est... C'est clair, hein. Je suppose que c'est celle-ci. Je suppose que le goût du sang la stimule. On est d'accord? Et on va le faire avec la voix... Je sais pas si c'est une Ilu ou pas, en fait. Moi, je veux l'Ilu. Dernière nuit, égale cucu. C'est pas faux. Il y a une Ilu, quand même. Ce goût ne me laisse pas indifférente et me donne des idées. Ouh là là. Oh, ça mérite. Ça mérite. Nevra, fais-moi l'amour. Maintenant? Même lui, il craque. Tibouchou, je t'ai pris pas mal de sang. C'est peut-être la dernière fois que nous dormons ensemble, Nevra. Tout peut s'arrêter demain. Fais-moi l'amour, je veux vivre ça avec toi. Je t'en prie, dis pas des choses pareilles. Je te protégerai, nous nous en sortirons. Je ne fais que dire la vérité. Nevra, s'il te plaît. Ça, c'est joli. Tu es sûre d'être prête? Plus que jamais. Il a hésité l'espace d'un instant. Puis il a commencé à me déshabiller. Eh oh, on change pas rien, deux équipes qui gagnent, hein. Oh, c'est joli. Mes vêtements tombaient un à un, et à mesure que mon corps était mis à nu, il tremblait d'un désir incommensurable. Ah, je vais partir sur une voix désir. Qu'est-ce que je fais comme voix? Ah, peut-être un petit accent. Qu'est-ce que je veux faire? Attends. Oh. Je voulais sentir ses mains sur ma peau. Ses lèvres, ses hanches, tout contre les miennes. Ça n'a pas de sens, ses lèvres. Il en manque un mot. Nevra, je t'aime tellement. Il embrassa mes seins avec délicatesse. Puis peu à peu, ses baisers furent entrecoupés de morsures légères. Je renversai la tête en arrière pour lui offrir ma gorge. Je voulais ne former plus qu'un avec l'homme que j'aimais. Ses crocs s'enfoncèrent dans la chair de mon cou en même temps que ses hanches accrochaient les miennes. Jamais je n'avais connu un tel plaisir avant d'être avec lui avant cette nuit. Une extase furieuse et totale. Un tourbillon de bonheur que j'aurais voulu éternel. Nous finîmes par nous endormir épuisés par nos ébats. Ça va, c'était rapide. En vrai, c'était court, hein. Le lendemain matin, je me suis réveillée dans ses bras encore fébriles. Il fait grand soleil dehors. Bien dormi? Je l'ai embrassé avec passion, mais cette étreinte fut de courte durée. Oh, ça va, la passion, au bout d'un moment. Ça, franchement, en vrai, je pense vraiment, si je pensais que j'allais crever, j'aurais pas envie de baiser, tu vois. Faire l'amour, je dis pas, mais c'est magique, cette voix. Ah, oh, t'as vu, Edo, merci beaucoup. Toi, faire l'amour, c'est une chose, mais genre là, la passion, t'as pas de passion, quand est-ce que tu vas mourir? T'as pas regardé Dragon Ball? Non, pourquoi? Faudrait... C'est quoi le rapport? Nevra a dû s'en aller régler quelques détails de dernière minute. Avant la fin du monde, ah bah c'est mieux. C'est quand même mieux. Et d'ailleurs, je ne devrais pas l'embiner non plus. Kero a sûrement du travail pour moi. Oh bah, comptez les 1000 pattes qui sont dans la réserve. Ça fait des mains en plus. Allez. Je vais où, Kero? Bah, il est où? Kero! Bah. Ah! Tibouchou au rapport. Quelle est la mission du jour, chef? Mais tu peux pas avoir autant de laisser aller? Merci, Lécilia! Merci beaucoup! Pardon, Léliassi! Eh bien, quelle entrée! J'essaie de varier un peu. C'est Noël, c'est incroyable. C'est... Tu viens prendre ta mission du jour? Attends, j'ai une gêne. Ah! Ça me fait mal. Mais meuf, tu vas mourir. Mais c'est ça! Vous nous demandez de faire du thé. Je vais rester comme ça. J'ai l'air con, mais ça me fait du bien. C'est exactement ça. Oh, j'ai rien pour toi aujourd'hui. Ah non, pardon. Laisse-moi chercher. C'est pas ici, pas là non plus. Bon, j'ai rien pour toi aujourd'hui. Ah bon? Les damnés civils sont en train d'être évacués vers Valenvia. Notre armée est prête à attaquer. Les analyses du point d'eau souterrain trouvé par Kolaya sont positives. Il y a assez de vivres pour des mois et nous avons sécurisé au maximum le périmètre autour du QG. Je crois que nous sommes plus que prêts à accueillir cette ordure de Lens. La A ou la B? Soyons honnêtes ou... Ça va, Thibaut? Oui, je sais pas, j'ai une gêne. Là. C'est désagréable. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste ça me gêne.
On s'inquiète tous pour toi. Ah non, non, faut pas. J'ai juste mal. C'est pas méchant. C'est juste une gêne. C'est bien la bataille finale aujourd'hui, on dirait pas. Mais de ouf. La A ou la B, ouais, ça se voit. Hein. Allez là, soyons gentils. En même temps, vous avez géré l'organisation comme des chefs. Tu trouves? Même lui, il sait au fond de lui. Oui, tout est prêt pour le jour J. J'appelle ça une organisation au top. Merci. Le jour J. Mais... C'est pas un mariage. Bon, j'imagine que t'étais toujours pas mal occupé de ton côté. Je vais pas te déranger plus longtemps. À plus tard. À tout à l'heure. Je suis sortie de la bibliothèque pour laisser Kero travailler tranquillement. Mais à quel moment? À quel moment? Tranquillement. La bonne nouvelle, c'est que si le QG est explosé, cette putain d'horloge, elle explose avec. Et ça, on prend. Ah, il est que 8h. Bon, puisque j'ai rien à faire avant l'arrivée de Len, je ferai mieux d'en profiter pour discuter avec mes amis. Bien sûr. Qu'il n'est pas crête, tant qu'il est. Je vais m'assurer qu'ils sont prêts et leur souhaiter bonne chance. Eh bah, allons-y, hein. Ma chérie! Oh, pour Iri, comment vas-tu? Pas de bavardage, faut-il, nous n'avons pas le temps. Viens avec moi. Elle m'a traînée dans un coin du marché. Vas-y, elle va prendre des manas avant de crever, elle. C'est peut-être la dernière fois que nous nous voyons, tu sais. Et je te le dis, tu ne peux pas partir au combat dans cette tenue. En plus, elle est démodée. Mais c'est toi qui me l'as fabriquée. Que veux-tu? Autre temps, autre mode. J'ai enfin saisi l'essence de ton âme. Ton toit profond. Et... ta dame. Elle m'a montré une somptueuse tenue de guerrière. Wow, Puriri, elle est... Cette tenue t'est destinée, comme les 1200 manas qu'elle coûte me le sont. Un tiers de ce qui me reste. J'ai claqué 30 balles la semaine dernière. 1200 mana. C'est énorme. Je vais devoir repayer pour finir, c'est sûr. C'est sûr. Là, il me reste 3169. J'avais 5000 la semaine dernière. On est tous choqués. Non, mais il y a un zéro en trop, mais c'est ça. Non, mais 1200. Non, mais c'est abusé. En vrai, on va se battre en slip. Moi, je m'en bats les couilles, hein. 1200. Non mais sans déconner, je vais devoir repayer. Bah merci pour tous les dons, franchement. Gribouille, merci. J'allais dire merci pour tous les dons, ça contrebalance. Non mais c'est abusé. Sans déconner, je sais pas combien j'ai payé en tout pour le jeu, mais... 30 balles la semaine dernière, je vais devoir reclaquer 30 balles, parce que du coup c'est par pack en plus. 1200, mais c'est abusé. Merci ma gribouille. Gribouille est on fire. Merci beaucoup. Ça se trouve, il y a l'option refusée, tu crois? Oh, yeah. Ah, j'aurais dû m'en douter, elle en a après mon argent. Non, mais dis-moi, je peux refuser. Et puis, il faut bien que tu te protèges un peu pour le combat qui t'attend, n'est-ce pas? Elle m'a fait des gros yeux, mais bon, c'est sans doute ma dernière folie sur elle derrière. Yeah. Va niquer tes grands morts, voilà. C'est pas très poli, mais c'est pas non plus poli de me raqueter. J'ai besoin de... Je veux qu'on ait une petite pensée émue. Pour mes 1200 manas. C'est pas grave, c'est parti pour le combat en culotte. De ouf, Lynn. Voilà, je... Voilà. RIP mes manas. C'est... Merci Claire pour tes bites, ça fait chaud au cœur. Ouais, non, c'est... Merci Deinos. Une minute de silence pour les manards. Mais c'est ça, ouais, une minute c'est long, même pour moi. Mais enfin, surtout pour moi. Merci Stéphane, bon pour tes bites aussi. Ouais, on peut le faire. Je vais le faire, je vais le dire. Je vais le dire. Aïe, aïe, aïe.
C'est d'accord. Je te la prends. Je lui ai donné les mille de Jean-Madame. Une lueur diabolique, lui, dans ses yeux, tu m'étonnes. Parfois, les pourrécos me font peur. Il me reste 1969. Il me reste... Je vais devoir repayer, j'ai tellement le seum. Bravo, tu viens d'acquérir la tenue Ending War. Tiens. Pardon, je suis vulgaire, mais Je suis bien partie dans ma chambre et j'ai enfilé la tenue. Je me sens super bien dedans. Eh ben, profite-en et pète dedans tant qu'à faire, voir si elle est bien en soi. Pour Iri a bien sané ce qui me manquait. Tu sais quoi? Tu vas te balader, voilà, tu vas aller te battre comme ça. Voilà, comme ça tu vas mourir et tu vas arrêter de m'acheter des conneries. Voilà, c'est ça qui t'attend. Qu'est-ce que je fous là? Ah oui, j'étais dans la chambre, c'est vrai. Super. Du coup, maintenant on va discuter avec nos amis, maintenant qu'on s'est ruinés, super. Ça me dépite. Allez, vous êtes où, bande de faux potes? Ah, oh, Wangwa, comment vas-tu? Prête pour la grande bataille? Ah, je t'ai fait une couronne de fleurs. Disons que j'aurais aimé avoir un peu plus de temps. Je comprends. Il n'y a jamais assez de temps pour se préparer à ça, je suppose. Bah, surtout que toi, t'oses même pas tuer une personne qui a failli te tuer, alors oui, forcément, je sais pas comment tu vas t'en sortir, hein. Enfin, ça tombe bien que tu sois là, je te cherchais. Qu'est-ce qui se passe? Tu risques de le prendre mal, nous devrions nous asseoir. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est, qu'est-ce qui se passe? Ça pue la... C'est pas une bonne nouvelle, je suppose. Hein? On n'est pas sur une bonne nouvelle. Je m'attends à tout. Qu'est-ce qu'on va mal prendre? Je vois pas ce qu'on peut mal prendre, mais... Viens t'asseoir. Wangwa, tu ne me rassures pas. J'insiste. Je suis assise, je t'écoute. J'ai dégluti plusieurs fois. Je sens ma gorge qui se serre avant même que Wangwa n'ait prononcé le moindre mot. Leftan a demandé à se joindre à nous pour la grande bataille qui nous attend demain. Oh, sérieusement? Il a de l'espoir, lui. Franchement... C'est ça qui m'inspire. Moi, c'est ça qui... Spontanément, c'est ça que j'aurais dit. Eh bien, justement, parlons d'espoir. J'ai accepté son aide. Miko n'acceptera jamais ça. Pas après ce qu'il a fait à Ekar et à tant d'autres. Miko désapprouve en effet, mais elle me fait confiance sur ce coup-là. Et je t'implore de m'écouter également. Wangwa, il pourrait nous trahir encore. Certaines choses me laissent à penser que tout ceci est derrière lui dorénavant. Mais... Oh! Ça aurait même pas pu être Miko, non? Ils nous ont pourri le seul personnage intelligent! Ça aurait pas pu être Miko qui nous dit ça sans déconner? Oh! C'est pas possible... Qu'est-ce qui te fait dire ça? Miko et moi avons sondé son esprit avec le même rituel que celui que nous avons utilisé sur Chrome. Les réponses que nous avons trouvées là-bas sont sans équivoque. Miko n'est pas encore prête à admettre qu'il veut vraiment se faire pardonner, et pourtant c'est un fait. J'ai vraiment du mal à concevoir que tu puisses te pardonner juste comme ça. Oui, moi j'ai... Bon, hein, c'est pas... Moi ça me va, il peut nous aider, et en vrai je pense qu'il est gentil, il est juste fou. Il a tué Icar quand même. Hein, il a tué notre pote, hein. Merci Chatoun. Merci Gribouille. Personne ne lui pardonne quoi que ce soit et jamais nous n'oublierons les erreurs qu'il a commises. C'est pas des erreurs, c'est des crimes. Il a tué des gens. C'est pas des erreurs. Putain, mais c'est quoi ça? Mais la survie d'Eldaria compte plus que tout. J'espère que tu comprendras ce choix. Ouais, non, je vais pas la pourrir elle. Je sais pas, je suis confuse, Wangwa. Tu mets dans une drôle de situation, je suis désolée, allez, dégage. Je comprends, prends ton temps, compte-y, je suis partie déboussolée, allez. Comment peut-elle penser que Leftan tiendra parole? Mais on s'en fout, c'est pas la question! Il a trahi la garde, il a levé tout le monde en bateau depuis qu'il est ici. Comment pourrais-je lui faire confiance après tout ce qu'il a fait? Je me demande bien ce qu'en pensent les garçons. J'ai peur. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur, quand même, je veux dire. Valkyon est là, il semble calme et serein. Bien plus que moi, en tout cas. Valkyon, tu aurais une minute à m'accorder? Bien sûr, c'est à quel sujet? Miko vient de m'apprendre que Leftan allait rejoindre nos rangs pour le combat contre Lens. J'aurais aimé avoir ton avis sur la question. Si je peux être tout à fait honnête, je trouve que c'est une excellente idée. Ah bon? Pourquoi ça? Eh bien, mon frère est un adversaire extrêmement puissant. Nous devons mettre toutes les chances de notre côté si nous souhaitons le vaincre.
et ce, même si cela exige de nous quelques sacrifices ou de mettre nos valeurs de côté. Mais pouvons-nous vraiment lui faire confiance? Wongwa en semblait persuadé, et c'est une femme de grande sagesse. Je lui fais confiance. Merci de ton honnêteté, Valkyon. J'ai l'impression que c'est pas la réponse que tu souhaitais entendre. Si je peux être honnête à mon tour, je trouve cette décision absurde et risquée. Leftan nous a trahis de nombreuses fois. Je comprends, et c'est l'un des risques à courir pour gagner cette guerre. C'est de la bullshit. C'est du bullshit. Tu crois que Leftan, il sait pas mentir? Évidemment qu'ils l'ont fait gentil, c'était un crush de base, mais c'est de la merde. Tu crois que le gars, il sait pas mentir, c'est un manipulateur de première, il a menti à tout le monde pendant des années. Tu crois qu'il est pas capable de s'auto-persuader de quelque chose pour cette espèce de truc de déjà les trucs de déducteur de mensonges, là, on passe à travers. Tu penses que lui, il est pas capable? C'est... Je vais pas te retenir plus longtemps et te laisser vaquer à tes occupations. Merci de m'avoir écouté. Il y a pas de quoi, on se revoit plus tard. La réponse de Valkyon, elle est plus troublante. Non mais Valkyon, après, il veut tellement buter son frère, enfin choper son frère que... C'est pas trop étonnant non plus, en vrai. Est-ce que y a quelqu'un d'autre ou... Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Aïe, toi, t'as appris au sujet de Leftan. Oui, Wongwa vient de m'en parler. Je me demandais quel était ton avis sur la question, justement. Je suis révoltée par cette décision. Je te comprends. Je suis pas non plus très enjouée à l'idée de le savoir à nos côtés lors de la bataille finale. Après, je suis intimement persuadée que nous devons faire confiance à Wongwa. Elle et Miko ont sondé l'esprit de Leftan. Je sais, mais j'ai du mal. Mais c'est de la bullshit. Mais genre, le gars, il sait pas mentir, mais... Je suis sûre, en fait, ils ont sondé l'esprit, ça veut dire si moi, elle le voit. Mais si tu te persuades que ton mensonge est la vérité, du coup, ça passe. C'est sûr. Enfin, notre démon a intérêt à se tenir très loin de moi. Ah bon, pourquoi ça? Il se pourrait que je perde le contrôle de mon fleuret. Je vois. Quelqu'un a interpellé Zarel qui a dû prendre congé de moi plus tôt qu'il ne l'aurait souhaité. Mais c'est pas le seul. Il me manque Nevra, mais je pense qu'il doit être dedans, non? Tibouchou, je te cherchais. Moi aussi, ça tombe bien. Wongwa vient de m'apprendre pour Leftan. Je suis déboussolée, je sais pas quoi en penser. Je sais, je suis tout aussi décontenancée que toi. Elle a beau me dire qu'elle est convaincue de la bonne foi de Leftan, j'arrive pas à cautionner cette décision. Moi non plus, surtout que je ne me représente pas bien en quoi consiste le rituel. Elles ont fait comme une fusion mentale, ça leur a permis de voir ce que cache vraiment le cœur de Leftan. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait avant? Parce que tu ne peux le faire qu'avec le consentement total de la personne. Ouais, je vois. Nevra est reparti après quelques minutes. Il faut dire qu'il est très occupé en ce moment, comme tout le monde. Sauf nous. Nous, on n'a rien à foutre. Nous, c'est... Mais maintenant que je connais l'avis des garçons sur la question, j'y vois moi-même beaucoup plus clair. Et une chose est sûre, je peux pas le garder pour moi. Je dois en parler à Miko. Allez, Miko. Je suppose qu'elle est... Elle est au truc. Salle de cristal, j'entends. J'aimerais bien finir l'épisode là, en fait. Je suis pas loin de la fin, non? On veut voir le rocher. Mais oui! Peut-être qu'elle est au rocher, d'ailleurs. On va voir. Oh, je fais un détour, mais au pire des cas, je me suis déjà tellement fait couiller mes manas que... Ah bah tiens! Miko, je pourrais te parler un instant? J'imagine que c'est au sujet de ce traître de Leftan. Toi aussi, tu viens me dire que... Miko! Sons, qu'est-ce qui se passe? Lens, ils arrivent. Alagia est en train d'organiser les troupes marines. Elle m'a dit de te prévenir. N'en dis pas plus. Soldat! L'ennemi est en approche, que tout le monde aille à la plage. Désolé, Tibouchou, mais il n'est plus l'heure de discuter. Nous devons rassembler tout le monde pour la bataille finale. J'ai acquiescé et j'ai aidé Miko à rassembler tout le monde. Nous avons donné des armes à tous ceux qui voulaient se battre et leur avons demandé de commencer à rejoindre la plage. Parce qu'ils n'avaient pas d'armes encore. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Merci, Roman! Pour tes bites! J'ai cherché Nevra parmi la foule et mon cœur s'est tordu de douleur à l'idée de ne plus le revoir avant que tout cela ne commence ou ne finisse. Où es-tu? Ne me laisse pas partir là-bas sans toi. C'est là que j'ai vu sa silhouette fendre la foule. Sans attendre, j'ai couru dans ses bras et je me suis plaquée avec force contre son torse. Tibouchou, ça va aller? Oui. Je me retiens à grand-peine de pleurer, mais je ne veux pas qu'il s'en rende compte. Tu sais, moi aussi, j'ai peur. Mais ma détermination est plus forte encore. Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons qu'on le bien triomphe, nous devons nous battre. Tu as raison, ne perdons plus de temps. Eh ben, allez, hein? Allez! À la bataille! Suis à l'ennemi! Ah, on va au rocher? Trop bien! On va au rocher. Ah bah non. Bah, faut que j'aille où? Peut-être que j'aille plus près du truc. Suspense. Peut-être qu'il faut que j'aille devant le truc. Oh, j'ai perdu mes manas bêtement, là. Bon, on a vu le rocher. On est content. Déjà ça. Ça console.
peut-être là. Mais faut que j'aille où? Ah, faut que j'aille à la forge? Ah, faut que j'aille prendre mes armes. Ah, je les ai pas. Pourquoi je les ai pas? Genre... Je les ai pas sur moi, quoi. Mais qui fait ça? En plus de m'équiper de mon arme habituelle, j'en ai pris une deuxième. Une sur laquelle je lorgnais depuis un moment. Un immense marteau duquel se dégage une force mystérieuse presque mystique. Lorsque je l'ai saisi, je l'ai trouvé étonnamment léger et quelque chose en moi me sursure qu'il m'était destiné. Seulement, j'ai senti le regard de Jamon se poser sur moi. C'est vrai qu'il faut lui demander pour prendre des armes d'habitude. Est-ce que tu penses que je saurais m'en servir? Toi, être bonne combattante et avoir beaucoup suivi de cours. Toi, pouvoir utiliser ça. Jamon croire en toi. C'est gentil. Ah, on a encore une cloche. Ça faisait longtemps. On se fait une tort. Ouais, de ouf. 16h, le tocsin résonne. Le destin frappe enfin. C'est pas le tocsin, c'est l'horloge de Dada qui casse les couilles. Allez, sur la plage. Vamos à la playa, on va casser pénis, man. On va tous mourir et on est très contents. Allez, alors je repaye pour la semaine prochaine, je suis dégoûtée. Les portes se sont refermées derrière nous et le bouclier que nous avons passé tant de temps à construire s'est dressé fièrement. Il va être poutré enceinte. On parie combien que le bouclier, il va se faire démonter? Je regardais le QG une dernière fois, comme si je désirais graver dans ma mémoire ce lieu pour lequel j'étais sur le point de me battre. J'avais passé tellement de temps entre ces murs à me construire, à me faire des amis, à découvrir l'amour. Je ne pouvais laisser Lens me prendre tout ce que j'avais. J'ai senti une main se poser sur ma nuque, des doigts qui se baladent sur mon cou avec tendresse. Fais attention à toi, Thibuchu. Toi aussi, ne prends pas de risques inconsidérés. C'est promis. Allez. 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 Arrivé sur la plage, je regardais l'horizon qui me semblait si lointain. Je cherchais du regard les bateaux de notre ennemi redoutable. L'angoisse était des plus palpables. Nous étions tous tendus à l'extrême. Tendus comme un string. Nos muscles étaient crispés, nos dents serrées. C'est pas bon pour les dents du fond, enfin bon. Non mais je veux pas faire ma meuf, mais voilà, les dents du fond, elles aiment pas trop qu'on se serre les mains. Nos armes étaient prêtes à être dégainées. Ce fut à ce moment qu'une silhouette noire perça le bleu immaculé de l'océan. Ils arrivaient. Je balayais nos troupes du regard. Nous étions tous là, les pieds solidement ancrés dans le sable chaud, tandis que la flotte de l'Aisne s'avançait inexorablement dans notre direction. Depuis des jours, nous nous préparions à l'affrontement qui allait suivre. Aujourd'hui, l'avenir d'Eldaria se déciderait et j'étais prête à me battre pour lui. Sans attendre, Miko ordonna à nos archers de tirer les premières flèches enflammées. Celles-ci se posèrent sur la mer. C'est moyen utile, quoi. Ah non, si! Mais au lieu de s'éteindre, elles allumèrent un brasier d'un bleu chatoyant. Mon cœur s'emballa. Un sentiment d'espoir m'envahit éclatant. Nous allions gagner. Oui! Bien sûr! Terminé l'épisode! Oui! On a fini! Eh ben dis donc. Alors par contre, à quoi ça sert de préparer un siège si au final on est dehors? Je pense qu'ils vont se retourner en arrière après. Je vais juste voir l'illustration. Bon, j'ai débordé un petit peu, mais pas tant. Ça fait 1h15 pour 2 épisodes purs. Où est mon épisode? Il est là. Ah oui, non, je pensais qu'on voyait aussi le bas, mais non. Il est joli, hein? C'est une belle illu. Eh ben écoutez, que dire? Bon appétit. Non, bah on a fini l'épisode, hein. Il nous reste un épisode, on a fini Eldaria. Je dois reclaquer de la thune, certes, mais... un épisode et on a fini Eldaria. C'est beau? Gribouille, t'es complètement ouf. Meuf, t'en as offert combien aujourd'hui? Sans déconner. Merci, 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 merci. Beaucoup. Merci à tous pour ce magnifique stream. Je ne tiendrai pas sans vous, vraiment. Mais en même temps, j'ai envie de savoir la fin. Donc, on va la savoir bientôt. On est bientôt au but d'une vie, tu vois. Et j'ai passé un super moment grâce à vous. Merci à tous ceux qui sont sub, qui ont follow. Merci à tous ceux qui ont donné des bites pour soutenir, ça fait du bien. Et merci de votre gentillesse et de votre humour aussi, parce que franchement, vous êtes très drôles. Vos commentaires sont hilarants. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve demain à 21h sur Twitch pour les frères Scott. Et YouTube, bah demain aussi, mais sur YouTube. Ah bref, on se comprend, c'est décalé pour vous. Plein de bisous, passez une très belle soirée, je vous aime méga, méga, giga fort. Et bon app, c'est important de manger. Mangez bien.